Salut à tous, la team OL. Bienvenue sur OL Fan TV. C'est Thomas M. Show. Voici Jean-Paul Ferreira, le consultant de choix, qui a le même sponsor que Olivier Giroud. Je te lose. Non, arrête, abuse pas. Et le même sponsor que qui? Que Marseille. Wouh, génial. Il fait un peu frisquette à Lyon, hein. C'est l'été, hein, toujours, mais ouais, c'est ce qu'on se disait, hein. C'est le point météo. Il fait un peu frisquette du côté de la part habitué. Ouais, parce que là, on va pas vers les meilleurs jours. Même si l'été indien est encore là. Mais est-ce que les meilleurs jours seront pour l'OL avec ce mercato de feu? Oh là là, j'en ai parlé hier. Alors, on est à un jour de la fin du mercato. Un jour et demi. C'est vrai que les minutes, ça compte. Ça compte. Et on a appris hier que ça y est, Mariano était parti officiellement du côté du Real Madrid. Il y en a un qui doit être vénère. C'est notre ami Memphis Depay, qui lui se voyait dans son club de ses rêves, le Real Madrid. Et ben non, c'est son collègue de Boulard. Boulard, film de boule, hein. Boulard tête. Oui, mais en même temps… Qui part au Real. Pas pareil, Memphis, lui, il venait pas du Real Madrid. Mariano ne fait que retourner au Real Madrid. Oui, lui, il avait déjà un temps d'avance sur Memphis Depay. On est d'accord. Voilà, au niveau du talent, ça se voit, hein, évidemment, effectivement. Non, c'est surtout du fait que Mariano ne s'est jamais vraiment adapté à la vie française, à l'Olympique Lyonnais. Et puis, je crois que ses coéquipiers avaient déjà tiré un trait sur le personnage. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, problème de vestiaire, problème de mentalité, d'adaptation, plein de problèmes, mais tout ça pour aller cirer le banc du Real, je vois pas trop l'intérêt pour lui. Ouais, surtout qu'on m'a bien repris sur les commentaires de la vidéo en me disant que je m'étais gouré dans les termes. C'était pas une clause de rachat, c'était une clause de préemption, c'est-à-dire que s'il y avait une offre équivalente de la part du Real, ils sont prioritaires. Voilà, il le récupère pour pas grand-chose, quoi. C'est 25 millions. Hein. Enfin, en attendant, moi, je trouve qu'il a bien rentabilisé le peu de temps qu'il est resté à Lyon. Oui, il nous vrai. A montré c'est autre vrai. Chose. C'est vrai. Pour ceux qui sortaient d'un coma profond, ils ont eu l'impression de voir Sonny Anderson sur le terrain. Donc, c'était bien. Ouais, il a fait une bonne saison l'année dernière. Et des bonnes stats. Et surtout, c'était un leader d'effort. C'est-à-dire, c'est le mec qui allait presser le gardien pendant 90 minutes. Et ça, on a rarement vu ça du côté de l'Olympique Lyonnais. Ben justement, parlons-en. Qui va le remplacer? Et celui qui le remplacera, normalement, c'est Moussa Dembélé. Mais rien n'est fait. Rien n'est fait parce que, bon, il s'est accordé, Moussa, avec l'Olympique Lyonnais sur un contrat de 5 ans. Est-ce qu'il a passé la visite médicale? Non, bah non, toujours pas. Parce que Clinton Engie, il avait passé la visite médicale. Ouais, voilà, c'est ça. Mais l'Olympique Lyonnais ne s'est toujours pas accordé avec le Celtic. Et notre ami Olas, Jean-Michel Olas, a dit que c'était très dur de s'accorder avec des Écossais. Notamment le président du Celtic, qui est assez proche de ses sous et qui est très dur en affaires. Ah, l'Écossais est radin, j'en connais plein. L'Écossais est radin et il parle du président du Celtic comme un bulldog qui négocie après avoir jappé. Voilà. Donc, c'est sympa pour lui. Donc, si le président du Celtic a vu cette déclaration, ça va être un peu compliqué quand même. Hein. On est à un jour et demi, toujours pas d'accord avec le Celtic. On peut avoir peur. Ah, peur de quoi? Du joueur ou de ce transfert qui ressemble un du peu joueur, à… Du joueur, alors on part aussi dans l'inconnu, hein. C'est un joueur qui a connu, il a connu principalement l'Angleterre ou le Royaume-Uni avec Fulham, je l'ai dit hier, Fulham et surtout le Celtic. C'est un attaquant moderne, puissant, véloce. Il a joué en Ligue 1? Il n'a pas joué en Ligue 1, il Jamais. Était formé au Paris Saint-Germain. Donc, on part dans l'inconnu, un peu comme Mariano. Oui, parce que ce qui est quand même un peu emmerdant là-dedans, c'est que… Ça fait un peu comme Marseille l'année dernière avec Mitroglou, où on sent qu'ils prennent quelqu'un au dernier moment parce qu'il fallait prendre quelqu'un. Et attends, et c'est pas encore fait, c'est-à-dire que si. Et c'est pas encore fait. Je crois que l'OL est en train de creuser les pistes B, les plans B, si Moussa Dembélé ne venait pas à signer. Alors on a parlé, j'ai vu sur Twitter qu'on ciblerait un attaquant brésilien de 21 ans qui joue du côté de Fluminense. Mmh. Je sais pas comment on dit ça en anglais. C'est ça, Fluminense. Et qui a marqué l'équivalent de 12 buts. Ouais, je crois que c'est 12 buts en 2 ans, ce qui n'est pas énorme. Il a surtout flambé cette année avec son club. C'est un attaquant d'1m85, une tourelle, et qui est un sacré renard des surfaces. D'accord. Il est très adroit dans le but et très bon de la tête. Celui-là, il sortirait du chapeau. Si il s'est blessé. Il était retenu par Tite en sélection du Brésil là, pour la trêve internationale. Et ben, finalement, il n'est pas pris parce qu'il est blessé pendant 3 semaines. Donc c'est génial, on recruterait quelqu'un qui n'est même pas d'attaque tout de suite. Donc, je vois pas l'intérêt. Bah, il y a pas d'intérêt. Il faut que le joueur soit prêt tout de suite. Déjà qu'il y aura un problème d'adaptation,
Il faut que le joueur soit prêt. Ouais. Et c'est ce que je disais hier de Dembélé. Dembélé sort d'une sale blessure aux ischio-jambiers. Hein. Et pour se remettre de cette blessure, c'est quand même assez long. Les risques de rechute sont importants. Mais ok. Voilà. Allez, admettons, alors on enregistre. C'est pas fait, mais admettons qu'il soit dedans. Pep Genesio va en faire quoi? C'est un joueur qui va prendre la profondeur? Il va jouer comme l'équipe de France? Alors il prend pas la profondeur, c'est pas un joueur de profondeur, Moussa Dembélé. C'est un joueur qui part de très loin avec le ballon, comme le faisait Lacazette. Il aime bien rentrer au cœur du jeu, récupérer les ballons bas. D'accord. Et il est très bon dos au but, c'est-à-dire qu'il arrive très bien à se remettre dans la bonne direction avec des contrôles orientés. C'est ça son truc. D'accord. Voilà. Mais c'est pas un attaquant qui prend la profondeur. Ni d'ailleurs Pedro, le mec de Fluminense, c'est un mec de surface aussi. C'est un joueur surface. Okay. Donc ce sont des profils carrément différents de Mariano qui aimait bien, lui, par contre, partir de loin. Bon. Et puis, au rayon des possibles arrivées, c'est l'arrivée de Nicolas Pepe. Le joueur de Lille, on en a parlé la dernière fois. Celui qui hésite et qui ne sait pas s'il veut venir. Il hésite. Selon Jean-Michel Aulas, il reste à le convaincre. Est-ce qu'on doit sincèrement convaincre un joueur de venir jouer la Ligue des Champions chez nous alors qu'il joue au LOSC? Alors, ma réponse, elle est toute simple. Tu ne conserves pas un joueur qui veut partir, mais tu ferais venir quelqu'un qui ne sait pas s'il a envie de venir. Voilà, génial, génial. Au niveau de l'état d'esprit, déjà, c'est au top. Hein. Surtout que Nicolas Pepe, au niveau de l'expérience européenne, il n'y en a pas. Hein. C'est un joueur qui vient d'Angers, qui est un bon joueur, un dribbleur, etc. Mais très irrégulier, très irrégulier. Alors, si tu veux de l'irrégularité, t'en as déjà dans l'effectif de l'OL. Hein. J'ai envie de me faire l'avocat du diable. Pourquoi laisser partir Maxwell Cornet, qui est quand même adapté au club, qui a fait des matchs de Ligue des Champions, d'Europa League? Certes, pas mirobolant, mais en tout cas, il a une bonne expérience et c'est un joueur qui est prêt tout de suite. Mais bon, je crois que l'OL s'est accordé avec Wolfsburg. 18 millions d'euros, contrat de 5 ans pour lui du côté de l'Allemagne. On fait une sacrée plus-value, voilà, c'est tout. Bah, je crois que l'OL, il voit surtout les papettes. Pour l'instant, l'argent est bien rentré. Il aurait même pu rentrer encore plus. On va pas revenir sur le départ du capitaine avorté. Le départ, hein, pas le capitaine. Alors, pareil, t'as vu ce qu'a dit Aulas? Quoi? Aulas a dit que Chelsea n'était pas intéressé finalement. Oui, bah, ils ont peut-être discuté avec les mecs de Liverpool. Ouais. Le genou est un peu fragile. Très fragile. Bah, on le saura cette saison. Ouais. Parce que s'il est tant que ça, il pourrait très bien faire une rechute. C'est pas exclu. Hein. Faut pas oublier qu'il a fait une demi-saison. Il a fait une demi-saison. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Alors toi, t'as peur un peu de cette fin de mercato là, ce jour et demi? Tu sens qu'on peut se retrouver avec rien du tout? Rien du tout. Le défenseur central, c'est mort. Hein. J'en ai pas parlé avec toi, Ruben Dias. Le Benfica s'est qualifié. J'ai toujours dit qu'il viendrait pas, malgré ce que tu disais toi, à savoir que le joueur était plutôt pour un contrat de 5 ans. Ah oui, il s'était accordé avec l'OL. Moi, je pense que c'était juste de la négo et de la surenchère, ouais. Et ça a marché. Je te l'avais dit aussi, et ça m'a rassuré, puisque toi, tu étais persuadé que Benfica ne passerait pas, ils sont passés. On risque de les retrouver, d'ailleurs. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est le tirage de la Champions League. Et on va connaître nos adversaires. Il pourrait y avoir du gros. On parle du Barça, on parle de l'Inter, on parle de Tottenham. Bah justement, tiens, quel est l'adversaire que tu rêverais et l'adversaire au contraire que tu redoutes? L'adversaire que je redoute, celui sur qui on pourrait tomber. Hein, là, on est d'accord. L'adversaire dont je rêve, c'est toujours le Barça, parce que le Barça, ça reste un club exceptionnel avec des joueurs brillants. Si, moi, ça reste le Barça. Non. Il y a Léo Messi, ça reste Léo Messi. Qu'est-ce que tu voudrais comme club dans ta poule affronter avec un beau match aller-retour? Un beau match aller-retour. Ah, franchement, j'aimerais bien Manchester United. Ah ouais? Parce que je me dis que cette année, Manchester United, ils sont carrément prenables, qu'ils sont sur une pente descendante. Oui. Et je pense qu'on a toutes nos chances face à un club comme ça. Et face à un entraîneur qui a perdu le mojo. Ouais, mais il pourrait le retrouver. Mais en tout cas, ça serait le bon moment d'affronter Manchester United. Vaut mieux se les taper en poule qu'en aller-retour, c'est sûr. Après, là, comme je te dis, on parle de ce groupe de la mort avec Barcelone, Inter, Tottenham. C'est vrai que ça fait du mal. Mais on pourrait rencontrer Benfica aussi. Tout à fait. Alors, tu ne m'as pas demandé, mais je vais te le dire quand même. Moi, le club que j'aimerais rencontrer, ce serait un club anglais. Ouais. Et moi, ce serait un Manchester aussi, mais l'autre. Ah, t'aimerais avoir City? Ouais. Ah, c'est histoire vrai. Histoire de on n'a jamais affronté City. Exactement. On n'a jamais affronté City. Exactement. Et ce que j'aimerais pas, c'est un club qui soit très loin. Et ça, j'aimerais pas. Ouais, parce que alors là, ce serait pour avec les organismes. Des longs déplacements. Ouais. Voilà, c'est mais bon, il y a souvent le...
le petit mistigris comme ça là dans un groupe. Hein. Tu sais, le club qui est soi-disant classé dernier, mais qui va te poser des problèmes quand même. Sûrement, mais c'est moi, c'est surtout de la distance. Des longs déplacements avec une date à la con, avec un calendrier. T'as encore les fantômes de Moscou, toi. Tu peux, ouais. Quand on avait fait toute une logistique, tu t'en rappelles, on avait loué un avion, c'est etc. Ça. Tout avait été mis dans les bonnes conditions. Il faut éviter ça. Au final, on avait gagné chez eux, mais derrière, on connaît l'histoire. Il faut éviter ça. Ouais, il faut éviter ça, mais franchement, des belles affiches du côté du Groupama Stadium, d'ailleurs, qui sera privé de ses supporters, mais ça, je l'ai dit. Ça serait dommage que ça soit face à une grosse équipe. Hein, ce serait le con, manque ouais. à gagner, puis nous, on sera un peu. Voilà. Ça serait quasiment un match nul ou un match perdu hein, pour l'OL. Hein. On ne va pas se mentir. Donc, ça va être très intéressant ce tirage au sort qui aura lieu à 18h. On aura l'occasion d'en reparler. J'en reparlerai ce soir dans une vidéo à part. Et puis, avec Jean-Paul, demain. On en parlera demain, de savoir si c'est jouable ou non. La dernière fois qu'on avait été en Ligue des Champions, c'est-à-dire il y a 2 ans, on était tombé quand même sur un groupe qui était plus ou moins prenable. Mais attends, prenable. Il y avait quand même Séville dedans. Ouais, enfin bon. Il y avait Séville et la Juventus. Oui. Et effectivement, on se rappelle du pénalty raté par Alexandre Lacazette face à Gianluigi Buffon chez nous. Oui. Moi, personnellement, je ne m'en rappelle pas plus que ça parce que c'était il y a longtemps. Moi, ce qui m'a marqué plutôt, ça a été le parcours l'année dernière et l'élimination face à Moscou. Ça m'a plutôt marqué. Mais on n'en est pas là. On n'en est peut-être pas encore d'ailleurs. Parce que si on finissait 3e, ça pourrait arriver. Il y en a un qui est content. C'est la 22e année consécutive qu'on se qualifie pour une Coupe d'Europe. C'est Jean-Michel Aulas. Toujours son objectif préféré. Ah, il est au top. Mm-hmm. Voilà les gones. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que vous avez peur là de ce dernier jour de Mercato? Est-ce que vous flippez? Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous êtes surtout content de voir partir Mariano pour récupérer peut-être Dembélé? Est-ce que vous pensez qu'on y gagne au change? Vous en avez déjà parlé dans les commentaires de la vidéo d'avant. Voilà, mais c'est pas encore fait avec Moussa. Dites-nous vraiment ce que vous pensez et qui vous verriez surtout en Ligue des Champions. Sur qui aimeriez-vous tomber, les gars? Et qui vous aimeriez pas rencontrer? Voilà, tout à fait. Donc, je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout à commenter. Merci, merci beaucoup de vos commentaires. Même si je fais du Aulas bashing ou du Genesio bashing, c'est pas grave. Commentez, les gones. Ciao, qui aime bien, châtie bien. Ouais, qui aime bien, châtie bien. Ciao. Bye.